Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Et c'est la suite de cette série spéciale Énigme Royal cette semaine dans Cœur de l'Histoire et aujourd'hui c'est un peu l'énigme reine que vont aborder Franck Ferrand et ses invités. Bonjour Franck. Bonjour Anissa. Bonjour à tous. L'énigme reine. Je retiens l'expression pour parler du plus grand du plus célèbre mystère de l'Histoire de France, celui de la disparition réelle ou supposée du jeune fils et héritier de Louis XVI et Marie-Antoinette longtemps prisonnier à la tour du Temple. Pour évoquer l'énigme Louis XVII, j'ai convié aujourd'hui. Celui qui en est devenu le plus grand spécialiste, Philippe Delorme. Et un auteur qui, tout au contraire, est venu au sujet avec un œil neuf, le dramaturge Jean-Louis Bachelet. Hier, à propos de Meyerling, nous avons refusé de trancher. Nous en sommes restés à un grand mystère, si je puis dire. Et eh bien vous allez voir que mes invités, eux, ont une opinion bien arrêtée quant à la résolution de cet énigme. Je n'ai pas invité de défenseur de la thèse adverse. Car pour m'être souvent penché sur la question, je sais que le moindre débat sur le sujet... Prend Immédiatement des heures et il aurait fallu alors à ce moment-là une semaine spéciale Louis XVII. On va y penser. Tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question d'Eléonore sur l'origine du terme arlésienne pour désigner quelqu'un ou quelque chose dont on parle mais qui n'arrive jamais. La réponse est tout sauf mystérieuse. Là pour le moment, rouvrons le dossier de votre énigme reine. Europe 1. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu trois enfants qui ont dépassé l'âge du berceau une fille, Madame Royale, à laquelle Anne Muratori-Philippe vient d'ailleurs de consacrer une biographie, nous aurons l'occasion d'en reparler, et deux fils, Louis-Joseph et Louis-Charles. Le premier est donc dauphin de France. Il faut l'imaginer, c'est un enfant délicieux, Louis-Joseph. Vous avez un enfant très intelligent, cette espèce de petit surdoué qui vous regarde avec, avec des yeux qui ont l'air de vous, de vous transpercer. Malheureusement, il est atteint, dès sa troisième année, d'une maladie qui va se révéler, tuberculose. Son enfance et dès lors, un long calvaire, il souffre en silence et finalement il s'éteint juste à l'aube de la révolution, au printemps 1789, pendant la réunion des États généraux. Et d'ailleurs, ça c'est assez extraordinaire, sa mort va passer, sinon inaperçue, en tout cas, on ne peut pas dire que sa mort ait été un grand événement, c'est incroyable et ça en dit long sur l'exaspération populaire à l'époque. Donc, à partir de 1789, euh, 1789 c'est le petit Louis Charles, surnommé par sa mère Chou d'amour, qui devient le dauphin. Il suit ses parents mais dans tous les épisodes de cette incroyable tourmente révolutionnaire. On le voit aux Tuileries, bien entendu, où il va passer le plus clair de son enfance, et puis au Temple, où il va partager la captivité de la famille royale nous sommes aujourd'hui le 21 janvier comme je le rappelais ce matin à Thomas Soto, va enfin chez Thomas Soto, c'est le jour anniversaire de la mort de Louis XVI le 21 janvier 1793 la veille de l'exécution du roi enfin de l'ancien roi Louis XVI a reçu ses proches pour les adieux on imagine la détresse affreuse des enfants qui savent qu'ils ne reverront plus leur père la grande sœur de Louis Charles Marie Thérèse donc si vous préférez madame royale a raconté ces minutes poignantes il pleura de notre douleur écrit-elle mais non de sa mort il donna ensuite de bonnes instructions religieuses à mon frère et lui recommanda surtout de pardonner à ceux qui le faisaient mourir le lendemain matin, le roi est donc conduit en voiture place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Il va monter à l'échafaud. C'est une salve de détonation qui va avertir la famille royale et donc Louis-Charles, que le père, que Louis, a cessé de vivre. Le roi est mort, vive le roi. Désormais, pour les fidèles de l'Ancien Régime, le petit dauphin sera Sa Majesté Louis XVII par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Autant dire que du jour au lendemain cet enfant roi devient une pièce maîtresse sur l'échiquier politique de la révolution. Dans les rangs royalistes, nombreux sont ceux qui seraient prêts à mourir pour lui. Et les révolutionnaires, quant à eux, s'arrachent les cheveux. Que faire de cet enfant et, accessoirement, de sa famille À l'Assemblée, les débats font rage. On ne peut tout de même pas envoyer des enfants à l'échafaud. Mais alors que faire Qu'en faire, devrais je dire le comité de salut public décide dans un arrêté du 1er juillet 1793 que, je cite, le jeune Louis, fils de Capet, sera séparé de sa mère et placé dans un appartement à part, le mieux défendu de tout le local du Temple. Vous avez bien compris, on a ordonné d'arracher l'enfant du Temple à sa mère. Le petit va désormais vivre totalement coupé de sa famille, pour un enfant de huit ans, c'est un traumatisme terrible, faut-il le préciser, en séparant l'enfant de sa famille, la convention poursuit un but précis, il s'agit de rééduquer l'occupant prétendu du site Ventrone, autrement dit essayer d'en faire un bon petit républicain. Pour ce faire, Louis XVII est confié à un instituteur, si j'ose dire, un dénommé Antoine Simon, qui vient s'installer au Temple pour démocratiser l'enfant royal ce sont les propres termes de la Convention nationale. Simon est un proche d'Hébert, une des têtes pensantes de la toute jeune République, et la rééducation commence. Et elle fonctionne, cette rééducation. Simon met une ardeur particulière à faire perdre à l'enfant l'idée de son rang nous allons voir que la réussite du cordonnier va aller bien au delà de toutes ses espérances il va même trouver entre parenthèses le moyen de faire témoigner l'enfant contre sa mère dans la perspective du procès que l'on intente bientôt à Marie Antoinette il s'agirait de dénoncer de prétendues pratiques indécentes, bref une infamie sans nom. La reine est guillotinée le 16 octobre. Son fils ne le saura jamais et on dit que lorsqu'il rentrait de promenade, il continuait de déposer régulièrement des fleurs devant la porte de sa mère qu'il croyait encore en vie. Bientôt, la tante Madame Élisabeth sera guillotinée à son tour et ne restera au temple que la grande sœur de Louis-Charles, donc Marie-Thérèse. Au début de l'année 1794, l'infâme Simon ayant opté pour la fonction plus prestigieuse sans doute de membres de la commune, s'ouvre la page la plus obscure de la vie, de la courte vie de Louis, de Louis-Charles de celui que ses partisans appellent Louis XVII. L'enfant roi est placé au secret, il est emprisonné dans un galta de la tour du temple qui ressemble de plus en plus à un cachot, on est là au moment de la terreur. Alors les repas très, très rudimentaires sont les seules distractions qui sortent l'enfant de, de sa torpeur, on lui sert quelques légumes secs et de la viande bouillie qui lui sont données à travers un guichet, on ne lui parle pas. Évidemment, les semaines passent. Ce sont des semaines d'un infini désarroi pour cet enfant, des semaines de peur, des semaines d'angoisse pour un petit garçon de. QM de Mozart à l'instant sur Europe 1 jusqu'à 15 heures. Franck Ferrand, vous revenez sur le plus célèbre mystère de l'histoire de France, la mort de Louis XVII. Louis XVII, pour l'instant, n'a que neuf ans et déjà une vie terriblement difficile. Ah hein. oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, sa vie a basculé dans l'enfer. Euh, François Chandernagor a, a parfaitement décrit le calvaire de cet enfant coupable aux yeux de la révolution d'être le tout jeune chef de cette famille des capétiens censés tenir leur pouvoir de Dieu et régnant sur la France depuis 800 ans. Quand survient la chute de Robespierre, ce qu'on appelle Thermidor, vous savez, le 28 juillet 1794 pour reprendre l'ancien calendrier, cela fait six mois déjà que Louis-Charles vit complètement seul, complètement isolé dans son cachot. Le nouvel, homme, le nouvel homme fort, après Thermidor, Paul Barras, va quand même se rendre au temple pour essayer de, de prendre la mesure de la situation et pour voir ce que devient le fils de, de Louis XVI. Et là, ce qu'il découvre le sidère. Il décide alors de donner un nouveau gardien à l'enfant. Il nomme un certain Laurent, qui, comme nous allons le voir dans une lettre adressée le 31 août au Comité de sûreté générale, va prendre des mesures dès son arrivée, Laurent décide euh, et je trouve que d'ailleurs la, la démarche qu'il qu adopte envers le comité de, le comité de sûreté euh, est particulièrement courageuse parce qu'il demande une sorte d'élargissement de l'enfant d'une certaine manière et il demande qu'on puisse s'occuper de lui, qu'on puisse le promener euh, etc. Et grâce à ce nouveau geôlier, on peut dire que les conditions de détention de Louis s'améliorent. Laurent pourvoit à ses premiers besoins, laver, panser les plaies évidemment, éclairer et nettoyer la chambre c'était le moins qu'on puisse faire. Il obtient donc des commissaires du temple la permission de porter l'enfant, de le promener sur la plateforme de la tour, etc. Mais malgré ses efforts, en mai 1795, l'état du petit captif qui n'a cessé de se dégrader est déclaré sans, sans espoir. Il n'y a vraiment plus d'espoir. On a trop longtemps attendu. Et Louis Charles, Louis XVII, si vous préférez, meurt à la prison du temple le 8 juin 1795. Donc à l'âge de 10 ans, c'est du moins la version officielle car après la Révolution, à plusieurs reprises, en 1846, en 1894, on va exhumer le corps présumé de l'enfant du Temple et on constate que le squelette est celui d'un enfant de 14 ou 15 ans, pas du tout celui d'un enfant de 10 ans. Il mesure 1m53, il présente des différences assez notables avec ce qu'on savait de la morphologie du petit prince et c'est à partir de là que va naître l'énigme. D'ailleurs, quand je dis que c'est à partir de là, l'énigme, elle a commencé même bien plus tôt, elle a commencé dès l'époque de la mort du prince, c'est ce que nous allons voir dans un instant avec mes Invités, depuis longtemps. On avait imaginé l'enlèvement de l'enfant et son remplacement par un adolescent anonyme. Il n'en fallait pas plus pour que pendant toute la première moitié du XIXe siècle surgissent de partout des prétendants. Des prétendants qui affirmaient avec plus ou moins de talent, plus ou moins de conviction euh, ou d'autoconviction, qui prétendaient être eux-mêmes en personne ce fameux miraculé. Le plus célèbre, évidemment, ce sera Carl Wilhelm, Charles Guillaume Nandorf, un horloger prussien reconnu comme légitime par de nombreux témoins de l'époque, mais dont euh, l'imposture va être mise à jour quoique de façon contestée, ça aussi nous allons essayer d'y revenir, par des analyses ADN réalisées en 1998. C'est redoutable l'ADN, parce que euh, c'est scientifiquement incontestable, et donc médiatiquement c'est imparable. Reste à savoir toujours, c'est la grande question, la seule somme toute, reste à savoir sur quels échantillons organiques on réalise les, les analyses. Et pour ce qui regarde Louis XVII, c'est une question cruciale. En l'an 2000, une grande conférence de presse est réunie pour annoncer au monde que le cœur prélevé sur l'enfant du Temple par le chirurgien qui menait l'autopsie a été soumis à des analyses ADN et que ces tests permettent d'affirmer qu'il s'agit bien du fils de Marie-Antoinette. L'organisateur de ces travaux et de cette conférence, c'est bien sûr Philippe Delorme qui est avec nous dans ce studio. Selon lui, l'affaire est donc une fois pour toutes résolue. Louis XVII est bien mort au Temple. Alors, au risque d'agacer un tantinet Philippe Delorme, je rappelle qu'au moment de l'inhumation officielle de ce cœur royal à Saint-Denis en 2004, plusieurs survivantistes, les survivantistes sont les partisans de la survie de l'enfant qui aurait donc été substitué, qui aurait pu s'évader, en quelque sorte, de la prison du temple. Eh bien, un certain nombre de ces érudits ont émis des réserves sur la provenance du cœur soumis au fameux examen ADN du professeur. Enfin, on y reviendra à ça tout à l'heure. Ils ont émis l'hypothèse que ce cœur, censé avoir été récupéré dans le bureau de la archevêque de Paris au moment de la Révolution de 1830, ait pu être celui du premier Dauphin Louis Joseph, mort donc en 1789, ce qui maintiendrait le mystère. J'entends déjà certains d'entre vous murmurer, mais après tout, est-ce que c'est seulement important Eh bien, oui, c'est important, car en 1814, en 1815, après la chute et la rechute, si je puis dire, de Napoléon. La monarchie a été restaurée en France et, comme Louis XVII était réputé mort depuis 20 ans à l'époque, c'est son oncle, le frère de Louis XVI, qui est monté sur le trône sous le nom de Louis XVIII. Il vaudrait mieux pour lui, pour sa légitimité et pour celle de son successeur Charles X que Louis XVII n'ait pas survécu quelque part en secret. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la légitimité royale de France appartient peut-être aujourd'hui encore à quelqu'un qui n'en est même peut-être pas conscient et qui se promène quelque part dans le monde avec au-dessus de la tête une couronne virtuelle parmi les plus prestigieuses de tous les temps. Cela explique la fascination de générations d'historiens pour ce mystère, cela explique la pléthore d'ouvrages publiés sur le sujet. Je vais vous faire une confidence ici même, rue François Ier, il ne passe pas un mois et je pourrais croire qu'on doit pouvoir dire trois semaines sans que me parvienne un dossier, un mémoire, un manuscrit, un fascicule ou bien entendu un livre apportant un regard spécifique sur l'affaire Louis XVII. De cette littérature, nous avons donc aujourd'hui extrait deux livres sérieux, les plus récents euh, incontestablement, et nous avons invité leurs auteurs à nous livrer donc le fond de leurs pensées. Bonjour messieurs. Alors c'est une c'est une affaire très passionnante que nous avons à, à régler. Ça tombe bien si je puis dire, vous êtes globalement d'accord sur la conclusion à tirer même si vous n'avez pas toujours tout à fait les mêmes arguments. On va revenir sur cette affaire dans un instant et je vous prierai, s'il vous plaît d'avoir le fair-play de nous faire part aussi des thèses adverses. Franck Ferrand, 14h 15h sur Europa+. Et pour cette semaine spéciale consacrée aux énigmes royales, aujourd'hui, voici la question que l'on se pose jusqu'à 15 heures avec vous, Franck Ferrand. Louis XVII est-il mort au temple à 10 ans ou beaucoup plus tard ailleurs? Vous recevez deux invités, Franck. Jean-Louis Bachelet, dramaturge, auteur de 100 Royal*, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, paru chez Ring. Et Philippe Delorme, historien et auteur de Louis XVII, la biographie via Romana. Un ouvrage de Philippe Delorme sur Louis XVII, c'est à la fois rassurant parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup d'éléments très précis, très pointus, mais en même temps, ça ne surprend pas grand monde. Un ouvrage de Jean-Louis Bachelet sur Louis XVII, c'est beaucoup plus étonnant. Qu'est-ce qui vous a pris, Jean-Louis Bachelet bon, Ce qui m'a pris, tout simplement, c'est que j'ai toujours été euh, euh, intrigué par cette histoire d'enfant royal euh, martyrisé par la Révolution et j'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis parti avec un. Un esprit totalement libre au départ. Euh, je n'avais aucune conviction réelle quant à, à l'issue de, de ce qui s'était passé au temple, et euh, j'ai décidé de parcourir le maximum d'ouvrages. C'est très précieux ça, parce que aussi bien Philippe que moi vivons, j'allais dire, dans, ce, dans cette histoire depuis je ne sais plus combien de décennies maintenant, et donc euh, il est très 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 difficile d'avoir un regard neuf. Vous, vous aviez un œil neuf, c'est ce que vous dites Un œil hein. neuf, seulement parce que je suis pas historien, hein. et euh, en parcourant tous les ouvrages, il y en a deux qui m'ont euh, profondément marqué, un ouvrage de Chantelose, que Philippe Delorme connaît certainement très bien, et puis naturellement l'ouvrage de Philippe Delorme, Lénigloud 17, qui m'a apporté la conviction euh, intime que l'enfant était mort au temple. Ça, ça fait plaisir à entendre, Merci. Philippe Delorme. <laughs> Donc Louis XVII, selon oui. vous, est bien mort euh, oui, est en mort 1795 entre, à la prison du Temple. Euh, vous parliez tout à l'heure du, du, du squelette qu'on a retrouvé à saint marguerite oui. et qui a beaucoup fait parler. En fait, c'est simplement, tout simplement, ce n'est pas le squelette de l'enfant mort au Temple. C'est un squelette. Ah, ça, c'est incontestable. Oui. C'est un squelette qu'on a trouvé, euh, voilà, qui était. Alors, pardon, des quand je dis c'est incontestable, non. en tout cas, ce n'est pas le squelette de Louis XVI. Non, mais, mais... ce n'est pas non plus le squelette ah, de l'enfant ah. mort au Temple. C'est un squelette anonyme de. Plus qu'un adolescent, d'ailleurs, parce que le, le Oui, c'est un jeune mort, homme, oui. Euh, le crâne d'un homme de 18 ans, du 20 ans. Donc, euh, on imagine bien que si les révolutionnaires avaient voulu substituer quelqu'un à Louis XVII, ils auraient quand même pris un enfant à peu près de son âge et non pas un adolescent, un très grand adolescent de 18 ans. Ça ne tient pas simplement parce que alors, ce squelette n'est pas celui de ce l'enfant. -ce sorti ce squelette. Pourquoi est-ce qu'on l'a sorti C'est ça. Eh bien, c'était ce cimetière Sainte Marguerite, un cimetière où il y avait euh, beaucoup de beaucoup de squelettes qui venaient des, des hôpitaux des environs et donc on a on, avait, on, a trouvé un, on a trouvé un crâne, un crâne scié, parce qu'effectivement le crâne avait été autopsié, mais des crânes autopsiés, il y, avait, il y en avait bien d'autres, je dirais, à Sainte-Marguerite. Et trouvant un crâne autopsié, on a dit ça doit être celui de Louis XVII. Non, c'était simplement un crâne anonyme d'un malheureux qui était mort dans un hôpital de de l'époque. Mais ça n'a fait qu'apporter de l'eau au moulin de tous ceux qui pensaient, depuis déjà longtemps, que Louis XVII n'était pas mort au temple, qu'il avait été exfiltré d'une manière ou d'une oui, autre. Oui, mais on... Ça vient d'où, d'ailleurs? Qui a été le premier à oh émettre? le premier dès, dès, je dirais que dès le départ, dès, dès la mort de Louis XVII, quand Bacérès a dit, on va le on va voir courir sur les, les, routes de France des faux, des faux dauphins. Et c'est vrai que très, très rapidement, on a eu Ervago, hein, un des premiers a été Ervago, qui était en fait, c'est amusant parce que c'est un bâtard d'un prince de Monaco. Donc, et ça lui avait monté un peu à la tête. Et donc, ce, ce fils, euh, ce fils adoptif d'un, tailleur de Saint-Lô en, en Normandie, euh, c'est, cru Louis XVII. Et puis ensuite, bien sûr, il y en a eu, il y a eu un livre qui parlait des 101 faux dauphins comme, comme des 101 d'Almaciens. Mmh. Et c'est vrai que. Il y en a même eu plus que ça entre et nous. Il y dire. en a plus parce qu'il en est tous les jours, hein, Et comme vous disiez tout à l'heure, euh, il y a tous les jours des gens qui imaginent euh, être descendants de Louis XVII et que, son ancêtre est sorti du temple de manière plus ou moins euh, secrète. J'ai reçu moi-même euh, dans ce studio un certain nombre de, de défenseurs, de, de prétendants euh, au statut de Louis XVII. Euh, je me rappelle notamment un diplomate français qui a écrit un livre très intéressant sur la piste argentine. Mm -hmm. Il a retrouvé en Argentine les, les traces. Alors ça, c'est absolument indubitable historiquement. Benoît, euh, voilà exactement ça, oui. ce Monsieur Benoît mm -hmm. qui était convaincu lui d'être Louis XVII et qui avait euh, un certain nombre de souvenirs de la famille royale. Enfin, etc. Ça, c'est une piste. Je pourrais en Vous citer d'autres parce qu que hein, j'en ai reçu ouais. pas, pas mal. Euh, quel, quel effet euh, ça peut faire ça, quand, quand, on, quand on découvre cette, cette immensité des possibles, Jean-Louis Bachelet Vous avez étudié chacune des pistes ou Pas toutes, naturellement. Non, pas toutes. Euh, étant oui. passionné, j'avais euh, décidé de choisir les principales, naturellement. Mais effectivement, on est, on est très impressionné de voir euh, à quel point, dans l'imaginaire collectif français, cette idée de la survivance du petit roi était présente. Alors, je, je, on va passer un, un accord, un, un gentleman agreement, si vous voulez. Nous allons prendre tout le temps nécessaire pour entrer dans les détails de l'affaire et pour expliquer pourquoi, selon vous, euh, Louis XVII est mort au Temple. Mais dans un premier temps, on va revenir sur la piste du plus célèbre des, des prétendants, de celui qui, évidemment, a été au XIXe siècle à lui tout seul un grand événement, un phénomène historique, c'est Charles-Guillaume Nondorf. Et nous allons reprendre notre conversation dans un sur Franck Ferrand et ses invités vous replongent au cœur du mystère de la mort de Louis XVII cet après-midi. Cette histoire vous passionne certainement. Vous pouvez bien sûr laisser vos messages à Franck Ferrand et ses invités. Rendez-vous donc sur Twitter avec le hashtag ACDH. Vous pouvez également poster vos messages sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h15 sur Europa. Où est mort Louis XVII et à quel âge? Voilà la question que l'on se pose jusqu'à 15 heures cet après-midi sur Europe 1. Pour cela, il va falloir revenir sur toute l'histoire. Franck Ferrand, avec vos invités, Jean-Louis Bachelet, dramaturge et auteur de Sans Royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, et Philippe Delorme, historien et auteur de Louis XVII, la biographie chez Via Romana. Oui, alors on va revenir évidemment sur, euh, sur toute l'histoire, on va revenir sur l'autopsie la, sur qui, euh, qui a été conduite euh, par le docteur Pelletan, Ça, on, on, y, on y viendra tout à l'heure. Mais revenons d'abord sur ce personnage de Naundorf qui se présente beaucoup plus tard, oui, Philippe Delors. En, en Delorme. 1833 seulement, donc c'est un homme de 50 ans qui arrive, euh, qui arrive du fin 40 fond, ans plus tard. Voilà, du fin fond de la Prusse, avec euh, un accent, plus qu'un accent allemand parce qu'il ne parlait pratiquement pas français. Et il va avoir alors c'est quelqu'un qui avait une certaine empathie, un sens de du, du, de la communication on dirait aujourd'hui et qui va réussir à convaincre une allure un allure qui va réussir à convaincre un certain nombre de je dirais de de vieux courtisans de 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 de, de Versailles des gens ont pris de 40 de, ans eux aussi voilà bien sûr. des gens qui ont 70 <laughs> ou à 80 ans hein, et donc qui le reconnaissent en particulier Madame de Rambou qui avait été une des, des berceuses de de Louis XVII. mais c'est un personnage effectivement un peu énigmatique dans la mesure où il a cette espèce de, de, de de pouvoir, de conviction, de, de, voilà, qui, qui, qui fait qu'il qui entraîne une certaine, une certaine, une certaine frange des, des royalistes autour de lui. Mais ce n'est pas le, le plus connu des faux dauphins à l'époque. Hein. Et à l'époque, il y a un certain Richemont, en particulier le baron de Richemont, qui a beaucoup plus de partisans et qui est beaucoup plus convaincant, finalement. Sauf que lui n'a pas eu de descendance, voilà, donc ça C'est ça. Des, voilà, ça qui fait qu'on parle encore de Nondorf aujourd'hui c'est qu'il a eu une descendance et que cette descendance porte légalement le nom de Bourbon parce qu'il a été déclaré dans son acte de décès en Hollande sous le nom de Bourbon. Et donc on a aujourd'hui des Bourbons fantômes, je dirais. Alors, voilà, ouais, moi, sont... j'ai reçu euh, ici et à la télévision Hugues de Bourbon, qui est le, mm -hmm. le descendant actuel de, de Charles Guillaume Nandorf, qui d'ailleurs, avec beaucoup d'objectivité beaucoup et, je trouve, d'humilité, de, de, ne prétend pas... Rien, il aimerait seulement savoir, ne serait-ce que pour lui-même oui, déjà. Oui, il est assez, euh, et... assez dubitatif, je dirais, voilà, sur son ça. ascendance. Oui, royale. il se pose <laughs> des questions, bien entendu, et il a eu affaire au professeur Lucotte, que vous connaissez bien, vous aussi, par ailleurs, Jean-Louis Bachelet. Tout à fait. Alors, concernant Luc de Bourbon, effectivement, ce qui frappe, c'est son, son humilité. Il veut savoir, et surtout, je crois qu'il il reste très impressionné par la, la somme de, de, de témoignages accumulés bien autour oui. de son ancêtre. C'est vrai que lorsqu'on aborde les choses comme ça, euh, de prime abord, on est toujours un petit peu stupéfait de voir ce que savait Nandorf sur le passé de la Fédération Royale. Il est vrai qu'il y a un an et demi, l'affaire a rebondi, comme on dit dans la presse, euh, du fait des fameux travaux du professeur Lucotte qui euh, ont émis, euh, enfin qui ont semé le trouble, disons. On, de, depuis 1998, on avait dit c'est terminé, il n'y a plus du tout de... Oui, alors, euh, oui. Je, je voudrais dire que les travaux du professeur Lucotte, j'en parle en particulier dans mon livre, alors, sont voilà, très, oui. très très sujets à caution. Le professeur Lucotte, qui n'est pas d'ailleurs professeur, qui est docteur Lucotte, qui est, qui est un généticien extrêmement controversé dans, 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 dans le milieu universitaire, a émis des tas de choses, par exemple... Il a prétendu avoir déterminé le chromosome Y du Christ. Oui, ça, c'est la tunique d'argenterie. C'est une autre tout... histoire. Ça, tout oui. Ça, oui. oui, mais tout ça montre un petit peu le côté un peu farfelu du personnage et les travaux qu'il a fait sur les. Et en même temps, oui, mais. Euh, sur pardon. les Nundorf ont été publiés dans des revues qui n'ont aucune valeur scientifique. Et donc, bien sûr, il faut prendre ça avec beaucoup, 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 beaucoup de. Il ne faut pas oublier quand même qu'à côté de ça, euh, le professeur ou docteur Lucotte, comme vous voudrez, euh, a, a mené des travaux euh, très, très en avance sur son temps sur l'utilisation du génome euh, ancien et sur la la restauration. Oui, la restauration oui la restauration de la ADN le, et voilà. depuis sa carrière bon, effectivement enfin... a eu des des hauts et des bas et beaucoup plus de bas que de hauts. Concernant justement, <laughs> pour compléter un peu ce que dit Philippe Delorme, concernant les, les tests ADN et leurs valeurs euh, euh, irrévocables, euh, je crois qu'il faut garder euh, un petit peu une certaine distance par rapport à tout ce qui justement et est voilà. scientifique. Hein. Est-ce que vous ne croyez pas, finalement, Jean-Louis Bachelet, ça c'est mon avis, hein, mais est-ce que, est que vous ne le partageriez pas cet avis, que euh, l'irruption de l'ADN dans ces questions... Euh, crée une distorsion grave, mmh. car ça aboutit à confier le travail de l'historien à des scientifiques qui ne sont pas historiens, qui d'ailleurs se gardent toujours de tirer des conclusions, mmh. mais qui sont tirés à eux et à dia derrière par des historiens qui, eux, n'ont pas accès Alors, à ces éléments. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en 1894, lors de la deuxième exhumation, euh, un certain nombre de partisans de Nandorf entouraient cette exhumation et euh, Gaston Labrousse qui était un Monsieur, des commanditaires oui. euh, de, ce, de, de ces travaux a, a protesté en, en disant que les résultats euh, proposés par le docteur De Becker n'étaient pas conformes à ce que lui avait vu. Alors moi j'ai présenté les planches de dessin faites à l'époque au directeur actuel de l'Institut Médico-Légal de Paris, le professeur Ludès, qui l'a fait euh, expertiser par l'anthropologue de l'Institut euh, laquelle a... Euh, manifestement, euh, euh, trouver dans une certaine forme de disparité entre les planches en question et les analyses de l'équipe de Backeur. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il faut il faut il faut se garder de, de, de confier à la science effectivement un verdict définitif sur Mais des voilà. choses qui sont même science, si vous avez eu recours à la science. Non, non, films, non, la alors science, vous... justement, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre en place une méthodologie très stricte. Ce qui est du domaine de l'historien doit être fait par l'historien et ce qui est du domaine de, du généticien par le généticien. Le l'ADN ne nous donne pas une identité, ne nous dit pas, par exemple, c'est le cœur de Louis XVII. C'est simplement l'enquête historique qui est menée autour de ce cœur, sur, la, sur ses origines, sur son parcours, qui nous permet de donner un, un sens à, 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 à l'analyse ADN. L'analyse ADN n'est qu'un élément comme dans un procès d'assises, finalement, où euh, oui, il a, les il a, experts... Pas réservé aux experts. Voilà, les experts apportent un élément, mais ce n'est pas eux qui sont... Euh, C'est l'enquêteur, normalement, qui est, qu est le dernier procès, mot. Hein, voilà, L'enquêteur va conceptualiser, va mettre ce... Tous ces éléments dans, dans une enquête et va arriver à une conclusion. Et là, c'est pareil, dans une Donc, enquête en plus, historique. L'ADN ancien, c'est autre chose encore. Oui, là, alors l'ADN ancien, mmh. euh, voilà, si, mmh. le, le, le cœur de Louis XVII, le cœur est le cœur d'un enfant de Marie-Antoinette, probablement, ça c'est ce, ce que nous dit les généticiens, et l'enquête historique nous permet de conclure que c'est le cœur de Louis XVII. Mais si vous voulez, les deux éléments doivent se mettre un peu comme dans un puzzle, bout à bout, pour arriver à une conclusion définitive. Alors, euh, on a bien compris que je ne vous ferai pas du tout euh, bouger de vos positions. Vous êtes convaincus l'un et l'autre que l'enfant est mort au Temple. Si l'on devait chercher les deux ou les trois arguments, irait dans le sens inverse Jean-Louis Bachelet quels sont les éléments qui peuvent faire douter de la mort du petit prince à la tour du temple parmi tous ceux que vous avez été amené à collecter pour, pour écrire ce livre sans royal Là vous me chahutez euh, <laughs> Franck, effectivement <laughs> après avoir passé un certain temps justement à être convaincu du contraire, je vais devoir chercher dans mon esprit <laughs> très très loin en arrière non effectivement, je crois qu'il y a d'une part euh, comme je le disais tout à l'heure l'imaginaire collectif hein, une espèce de, de refus d'accepter Qu'un qu enfant royal ait pu mourir dans ces conditions-là. C'est une condition aussi abjecte. Voilà, hein. bon, c'est inouï historiquement. Ça voilà. bon ouais. Surtout qu'en plus, je pense que Philippe Delorme sera d'accord, mais il n'y a pas eu de mort plus régulièrement constatée dans l'histoire oui. que oui. celle de Louis XVII. <laughs> c'est absolument effarant. C'est-à-dire qu'on a. Euh, toutes les précautions ont été prises par la Convention pour faire en sorte qu'on soit certain que c'était lui et qu'il était mort là-bas. Donc, euh, surtout que. Philippe de avait raison de le souligner tout à l'heure c'est prêter des attentions des un petit peu stupides aux révolutionnaires que d'imaginer qu'ils aient pu substituer un enfant de 1 m à la place d'un enfant de 10 ans. C est, c est, ça, ça paraît totalement. Et Il faut voir aussi que, que pendant l'année précédant la mort de Louis XVII, eh bien, euh, au Temple, on a chaque jour deux commissaires qui sont nommés par les différents quartiers, les différentes sections de la commune de Paris. Donc ces deux commissaires qui sont des bourgeois de Paris, qui ont très bien pu rencontrer Louis XVII lorsqu'il était aux Tuileries, dans son petit jardin, ou même à Versailles, et qui viennent constater son identité. Donc on a, fait, on a plus d'une centaine de témoins, je dirais, et aucun d'entre eux, à aucun moment, ne dira, euh, eh bien, ce n'est pas Louis XVII, il y a eu substitution. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Si on avait fait une substitution, on l'aurait caché un petit peu mieux. C'est-à-dire que ça, c'est un argument qu'on entend souvent lorsqu'on évoque des énigmes historiques. C'est la question du silence. On se dit, étant donné le nombre de personnes qui, de près ou de loin, auraient été mises dans, dans l'affaire, dans le secret, dans la confidence, quelqu'un aurait peut-être quand même fini par parler. C'est ça l'argument. Hein, Autant qu'il que... aurait été un peu assez glorieux pour quelqu'un qui aurait fait évader le petit Louis XVII. De le, au dire, de de en... le dire au moment de la restauration oui. et d'en tirer, tirer gloire. Et en même temps, Aurait bien embêté le comte de Provence qui était en train de devenir le roi Louis XVIII. Hein. Oui, oui. Évidemment. Pour répondre à <laughs> votre question, euh, il y a eu un moment, effectivement, où on peut, on, peut, on peut douter de la mort de l'enfant au temple, mais sur la base de témoignages qui, hélas, s'avèrent tous être des. Mensonges, des inventions. Il y a eu énormément d'inventions autour de ça. On, on a raconté des tas de trucs sur la, 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 la mort conjointe du docteur Dessau, de, de Chopard et de Doublet. Mais ça, Or, par exemple, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus C'est quand même assez frappant. Eh bien, Sauf qu'en cherchant dans les archives, on s'aperçoit qu'effectivement Chopard est bien mort du choléra. Il faut que... dire qui sont ces, ces médecins, d'ailleurs. Alors, ce n'était oui. pas seulement des, de simples médecins. Dessau était une sommité pour l'époque. Quand on va à l'heure actuelle à l'hôtel Dieu, dans Paris, on entre, on est accueilli par une grande plaque qui, qui fait mémoire du professeur Dessau. C'était autour de cet enfant avait été réuni toutes les sommités du monde médical. Or, euh, en regardant un petit peu euh, et, et autour de cet enfant vivant ou mort Vivant. Et, et mort bien sûr, et sur oui. la table d'opération aussi, Esker bien sûr. de Saut est mort tout simplement d'une fièvre euh, ménagite ou quelque chose comme ça, qui... Parce qu'on euh, dit qu'on l'a tué pour... Le, pour euh... Non, on a tous les témoignages de ses, de ses collègues, montrent bien, il y avait une épidémie qui courait à l'Hôtel-Dieu à ce moment-là, et bien fait. sûr... Euh, et voilà. dans, il y a une, une mention qui est faite dans l'intermédiaire des chercheurs et des mmh. curieux, qui rappelle à, à, à trois, trois reprises que dans l'année 95, il y a trois médecins qui étaient morts mmh. de cette affection-là. D'autre part, quand j'ai voulu, moi, consulter les archives de l'assistance publique. Euh, j'ai été très étonné de voir que le registre des décès, euh, des entrées et des sorties de l'Hôtel Dieu pour le, le premier semestre 1795 a disparu. On se demande où est-ce qu'il est passé. Je ne sais pas ce qu'il qu en est advenu, mais j'ai trouvé ça quand même très troublant. En tout cas, la mort de Dessault, la mort de Doublet, la mort de Chopin, compte tenu de ce qui se passait à cette époque-là, ce n'est pas du tout étonnant. On aurait aimé que le gouvernement de l'époque, le directoire naissant, euh, mettent autant de d'applications à sauver la vie de cet enfant qu'à a, qu a constater sa mort d'une certaine manière. Euh... Oui, mais c'était assez, <laughs> euh, enfin c'était un un otage précieux et en même temps euh, un, peu, un peu embarrassant. C'est-à-dire que euh, sous la convention, on a dit, euh, Simon a demandé que doit-on en faire de cet enfant et évidemment on n'avait pas le tuer comme vous disiez tout à l'heure. Il fallait s'en débarrasser, fallait euh, s'en défaire, mais s'en défaire de quelle manière On le laisse en mourir, on le laisse en pourrir finalement. Hein et après l'avoir essayé de, 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 lui, de lui faire un lavage de cerveau. Et ça, c'est absolument encore plus honteux, je Alors dirais, qu'autre chose. On va y venir dans un instant. Votre ouvrage, Jean-Louis Bachelet, s'appelle ⁇ Sang royal ⁇ euh, il est publié chez Ring avec ce sous-titre La vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France et l'on a bien compris quel était votre point de vue. L'ouvrage de Philippe Delorme s'appelle Louis XVII la biographie et justement dans les minutes qui nous restent nous allons revenir un peu après avoir beaucoup parlé de sa mort et des éventuelles euh, des éventuelles questions qu'elle pose, nous allons revenir sur la vie de cet enfant et sur ce que l'on peut dire de façon absolument indubitable et historique sur la fin de sa vie notamment. Franck Ferrand, 14h15h sur Europe 1. L'énigme royale qui est au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1 est peut-être la plus célèbre énigme de l'histoire de France, la mort du jeune Louis XVII. Alors, avec vos invités, Jean-Louis Bachelet, dramaturge, et Philippe Delorme, historien, Franck Ferrand, vous allez revenir sur la courte vie de Louis XVII. Eh oui, nous avons parlé de sa biographie et ça fait beaucoup réagir nos, nos auditeurs. Armel notamment nous dit que Louis XVII est une source d'inspiration multiple, là où on ne l'attend pas toujours. Un artiste japonais qui s'appelle Kamijo, nous dit-elle, musicien de métal symphonique de son état, s'inspire depuis 2013 du mythe de Louis XVII pour créer tout un univers musical. Et si le petit garçon avait été sauvé par un vampire et s'il était devenu le roi des ombres, etc., on peut dire que... Le sujet fascine dans le monde entier. C'est quand même fascinant hein, cette histoire. C'est le mythe du roi caché d'une certaine manière. Oui, oui, mais manière. moi j'ai été interviewé <laughs> par des chaînes, des chaînes japonaises, coréennes, etc. Donc effectivement, c'est c'est ce que Jung appelait un archétype, c'est-à-dire quelque chose qui dans l'inconscient collectif fait écho euh, l'idée qu'un roi, un grand monarque reviendra à la fin des temps rétablir l'âge d'or. C'est Nostradamus. Ouais, oui. C'est à la fois Nostradamus, mais c'est tout ce cycle. Prophétique qu'on va retrouver au cours de l'histoire de France. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, un personnage comme Dundorf, on en parlait tout à l'heure, était, était mêlé de cette, de, de cette atmosphère de, 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 de prophétisme, de providentialisme. Il crée une religion, Dundorf. Hein, il, il se proclame aussi prophète. Enfin, bon, tout ça fait que on, on baigne dans une, un romantisme en même temps, hein, dans une période où. Voilà où le, le, le surnaturel réapparaît d'une manière. Effectivement, peu... et c'est cette nostalgie oui. du grand monarque est aussi mmh. une nostalgie de Dieu. La Révolution a, a, avait œuvré pour l'extermination définitive de toute transcendance et de, à laquelle appartient aussi le, le roi de France. Juliette qui essaie peut-être un peu de mettre tout le monde d'accord nous demande justement Jean-Louis Bachelet pourquoi ne pas évoquer la théorie pourtant crédible de Louis Astier selon laquelle Louis XVII serait mort en 1794 c'est-à-dire qu'il y aurait bien eu une substitution mais plus tôt en fait ouais, alors ça c'est pas, pas, pas la seule qui euh, dont on est parlé hein. toutes les hypothèses ont couru sur ce sujet on a voulu le faire disparaître à n'importe quel moment notamment par rapport à Robespierre mais là encore, imaginez que Robespierre qui a effectivement fait une visite au temple pour voir la sœur de... Oui, ça, on en a la preuve. J'ai même montré à la télévision le, le document qui en atteste. Tout à hein. fait. Elle le dit, oui, on est presque certain. On est presque certain, Elle, Elle certain dit, que... voilà. est venu quelqu'un que je crois être Robespierre. Bon, on peut on peut imaginer que Robespierre ait fait cette visite, effectivement. Tout à fait, mais on est par contre, quand on voit le fonctionnement de de la du Comité de Sûreté Générale, du Comité de Salut Public, hein, et de voir, quand on voit un petit peu euh, le, les, les papiers qu'il fallait signer pour faire sortir quelqu'un du temple, ou en tout cas pour entrer au temple, on a du mal à imaginer un Robespierre tout-puissant entrant au temple exactement comme on. Il y avait des, 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 des portes cadenassées à chaque étage du temple. Il était au deuxième étage et il fallait passer au moins six portes avant d'arriver euh, étaient... dans, voilà. dans sa cellule. Les portes étaient groupées par deux, non, euh, une porte en fer, une porte en chaîne, oui. et on ne pouvait pas en ouvrir une sans avoir fermé la précédente. C'était. Alors, ça m'amuse parce que tout en vous écoutant, je vois arriver des messages. Euh, euh, il y a quand même des contradicteurs, hein, je vous rassure. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui sont horrifiées par ce qu'ils sont en train d'entendre en, sur, ce, <laughs> sur cette antenne. Savez, là, on est dans le domaine, avec Louis XVII, on n'est pas dans le domaine nécessairement de la raison, mais de, de la croyance. presque Alors, une justement, croyance presque religieuse. Ça. Donc, à partir du moment où on a une croyance on ne peut pas aucun élément de raison ne peut ne peut apporter une preuve définitive. Votre ouvrage s'appelle sans royal Jean louis bachelet est-ce que la question qui se pose c'est pas justement le passage d'un monde sacré à un monde profane, d'une certaine manière. Et est-ce que le personnel de la toute jeune république qui a été en charge de cet otage tellement embarrassant avait les éléments mentaux pour comprendre la dimension mystique, religieuse, royale, sacrée qui s'attachait à cet enfant? Pour eux, c'était, c'était après tout le fils du tyran. J'ai envie de dire point final. Oui, mais cette haine, d'ailleurs, cette haine qui courait dans le sang de tous les révolutionnaires, euh, N à laquelle il devait jurer, même à la Convention, c'est-à-dire que même en 1796, on trouve encore le serment de haine à la royauté qui doit être fait par les conventionnels. De ce point de vue-là, je crois que ça, ce n'était pas une affaire de conscience, je crois que c'était quelque chose qui était inscrit véritablement dans la, la dogmatique révolutionnaire, et ce depuis très très longtemps, depuis les sociétés de pensée de 1750, on trouve de toute façon une, une énergie euh, systématique et une volonté euh, continue de se débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir de, de, de lien avec l'idée de Dieu et l'idée d'un monarque en France. Mais Hébert, par exemple, le père Duchêne, le, le, le fameux journaliste Le Père Duchêne, oui. qui était un ultra-révolutionnaire, oui. dit euh, un enragé. Euh, On parle de, de sapajou, de, de, de fils d'une guenon qu'il faut envoyer sur une île déserte. Euh, enfin bon, c'est il y, y a des phrases vraiment d'une violence extraordinaire. Et puis. On est quand même à l'époque où la Vendée va être saccagée, massacrée, des, des, des dizaines de milliers de Vendéens vont être massacrés, et pas uniquement d'ailleurs à Lyon, à Marseille, à Toulon, au nom de, au nom de la liberté. Pour nos plus jeunes auditeurs, et qui nous écoutent notamment en podcast, parce que là, sinon, une grande partie d'entre eux sont à l'école, à cette heure-ci, il faut peut-être dire, rappeler ce qu'est devenue la sœur, la grande sœur de, de Louis Alors, Charles. C'est hein. la seule rescapée de la famille, hein, mmh. elle va être, elle était enfermée à l'étage supérieur du temple, et elle était plus elle avait une quinzaine d'années donc elle va subvenir à ses besoins elle va elle fait son ménage elle se tient propre etc et elle va finalement donc survivre et puis elle n'est pas un, en, un enjeu politique puisqu'en france les femmes ne peuvent pas hériter du trône donc finalement lorsque la convention puis ensuite le, le directoire s'assagissent en fait eh bien elle est échangée contre des otages en autriche et elle retourne dans sa famille maternelle en autriche où elle va finir par épouser, d'ailleurs, son cousin, le, le duc le d'Angoulême. Duc c'est Tout ça c'est voilà, quand même incroyable, entre nous. Hein. Et elle n'aura pas d'enfants, mais elle va mourir seulement en 1851, donc en ayant accompagné le vieux roi Charles X en exil. Euh, voilà Charles X, puis ensuite. Et Chambord, le comte de Chambord. Oui, et elle son meurt à franche chez, chez, chez le comte de Chambord. Alors tout ça, c'est l'histoire royale. Revenons peut-être sur l'histoire. De cet enfant, c'est vrai qu'il n'a vécu que dix ans, mais c'est assez pour écrire une biographie, d'une certaine manière, la biographie d'un enfant, Philippe II. Oui, mais c'est dix ans qui sont les dix années les plus cruciales de l'histoire de France, eh parce oui. que quand il naît en 1785, il est le, 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 le Versailles. La monarchie est déjà très agitée. Oui, elle est agitée, mais il est à Versailles, dans les ors de Versailles. On n'imagine pas que le roi puisse un jour être détrôné. Et lorsqu'il meurt dix ans plus tard, en 1795, la France s'est débarrassée de la monarchie, est en république et la terreur est passée par là etc donc c'est vraiment les dix années les plus fondamentales je dirais de, de notre histoire c'est les dix années de la vie de cet enfant que peut-on dire du tempérament de ce de ce petit de ce petit roi si l'on peut dire qu est, qu est, qu est, qui était-il ce, ce Louis de, de, 17. La vie de tout le monde c'était un enfant extrêmement joué Vive des très joyeux, très, oui, très joyeux, très vif d'esprit. Contrairement à son grand frère. Hein, il y a chose, chose euh, je, je crois, à, à signaler. Louis XVI avait déjà été éduqué selon les principes euh, en vogue, euh, selon les principes d'égalité. Le, le, il n'était plus le roi de France, le roi tyran, le despote. Il était le père de la nation véritablement, et il a élevé le petit, le petit dauphin, dans euh, cet esprit euh, d'amour. Pour euh, euh, son peuple et dans toutes les, les vertus qui accompagnent cela. Donc, si vous voulez, il n'a pas véritablement. Le petit dauphin n'était pas un enfant qui, était, qui a été éduqué comme un, comme un despote il a été éduqué comme un, je crois, tout simplement un chrétien conscient de sa responsabilité de la responsabilité qui lui était donnée Et Et sa mère rapide, euh, ouais. sa mère tenait beaucoup à ce qu'il reçoive un, un enseignement moderne d'une certaine manière oui, elle hein est assez proche bon, de, de des idées de rousseau de ça, le voilà. fait de, de l'amour maternel etc mais il faut voir que dès l'âge de quatre ans il va être confronté quand même au malheur c'est-à-dire que c'est la révolution française c'est euh, le, le, les journées d'octobre, lorsque la famille royale est ra ramenée à Paris au milieu des têtes Mais, coupées, etc. -ce que pour donc, lui, c'est pas plutôt un jeu qu'autre ah, chose. Donc, je pense que très très rapidement, il se rend compte quand même de, 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 de la tension qui qui, qui est autour il de voit lui. ses parents voilà, très il nerveux. Voit ses, ses parents, il souffre. Il a des il cauchemars. Il y a la fuite d'Arène, hein, cette chose. Enfin, de oui, voilà, des cauchemars enfin, cauchemar où il se voit entouré de loups, etc. Et de de tigre, etc. Non, c'est un enfant qui, très très rapidement, va apprendre à se dissimuler, à, à intérioriser sa, sa douleur. On a l'impression que c'est un enfant... C'est un enfant, mais c'est un esprit un peu malléable quand même lorsque Simon va réussir à le transformer entendu, en petit républicain. Bien entendu, et c'est ça le pire, j'irais, dans cette histoire, c'est que non seulement on veut le détruire physiquement, mais on veut aussi le transformer moralement. C'est déjà les camps de concentration des, 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 du, 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 du Viet au moment de, de l'Indochine. C'est-à-dire, on oui, va. Vous faites on allusion ré... au lavage de cerveau. Voilà, quoi, ouais. on rééduque, on, non seulement on doit détruire l'ennemi, mais on, doit, on ne le détruit pas, on doit le rééduquer, on doit en faire devenir un adepte de sa propre. À ce moment-là, ce n'est pas le corps qui réagit en quelque sorte et qui, devant cette, cette dévastation mentale, finit par céder. Oui, et hein puis en plus, on était au début des, 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 du lavage de cerveau, je dirais. Dans les, on, a, on venait de l'inventer, donc il n'a pas été mené à bien de manière euh, extraordinaire par ce fameux cordonnier Simon, qui était. Euh, alors ensuite, voilà. il y a cette réclusion, cette, cette absence, cette, cette espèce oui, d'isolement. On, on le laisse mourir, on le laisse pourrir en fait. Et croupir, oui. Oui. Alors, la, la, Emmanuel Bonneville Baruchel, qui est psychologue. Que le clinicien et que j'ai consulté, qui est spécialiste des traumatismes de l'enfance comme ça, m'a dit que de toute façon, le, le traitement qui a été affligé à cet enfant pendant six mois suffit à développer euh, euh, un syndrome de Stockholm euh, caractéristique qui explique qu'il se soit coiffé du bonnet phrygien qu'il ait chanté à la carnavole. C'est tout à fait explicable, d'autant qu'en plus de ça, il y a forcément eu un effondrement psychique du fait de l'alcool. Je les dégale l'alcool sur un enfant de cet âge-là, c'est terrible. Plus la tuberculose qu'il voilà. avait contractée quelques mois auparavant, qui va faire petit à petit son œuvre mmh, jusqu'à mmh. la fin. Jean-Louis Bachelet, Sans Royal, la vérité sur la plus grande énigme de l'histoire de France, c'est chez Ring. Et Philippe Delorme, Louis XVII, la biographie, c'est chez Via Romana. Et dans un instant, sur Europe 1, Franck Ferrand vous explique les origines de l'expression l'Arlésienne. Europe 1 au cœur de l'histoire. Retour aux origines et aujourd'hui pour vous franck une question d'éléonore sur le site europen.fr pourquoi dit-on une arlésienne pour évoquer quelque chose ou quelqu'un dont on mais, qui jamais. mais il faut rouvrir les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. C'est une courte nouvelle au départ, cette, cette, Arlésienne. En fait, Daudet avait tiré cette histoire d'un fait divers réel qui, euh, qui était la mort du neveu de Frédéric Mistral. La nouvelle raconte l'histoire de Jean, ça s'écrit J-A-N, un jeune provençal de, de, 20 ans, qui y est tombé complètement fou, amoureux d'une petite Arlésienne tout en velours et dentelle, nous dit, euh, nous dit euh, de Daudet. Et malgré les réticences de ses parents, le mariage avec cet inconnu est planifié. Seulement, Jean apprend que la jeune fille qu'il n'a pas pu revoir est en fait euh, mm -hmm. assez légère. L'union n'aura pas lieu. L'Arlésienne ne viendra jamais. Il est complètement fou de désespoir, ce jeune homme. Il finit par mettre fin à ses jours. Vous comprenez donc euh, ce personnage de l'Arlésienne qui est au cœur de l'intrigue, mais qu'on ne voit pas, qui est toujours absent. Voilà, tout simplement. Alors, en 72, 1872, Daudet va adapter son texte pour la scène, euh, c'est Georges Bizet qui va faire la musique, vous savez, bien entendu, musique qui, entre parenthèses, a une postérité beaucoup plus grande que le texte original. On a ensuite parlé d'Arlésienne pour désigner, d'abord dans une œuvre et puis petit à petit dans la vie, un personnage essentiel mais qui n'apparaît euh, jamais. Hein. On dit aujourd'hui aussi une Arlésienne pour dire qu'on ben, ne, on ne verra pas celui ou celle dont on parle ou dont on parlait.